En vue d'accélérer les travaux de modernisation de l'aéroport national Morongo de Bounia et l'asphaltage de 8 km additionnels de la voirie Iribène, l'entreprise Mogabaon chargée d'exécution de ce projet met les bouchées doubles. Voilà ce qui justifie l'arrivée à Bounia d'un ingénieur américain spécialisé dans ce domaine. Black Terry a été reçu ce mardi par le gouverneur de la province de l'Ituri. We are working to start and obviously. On est venu pour des raisons ici, pour l'accomplissement de l'aéroport, les tours de contrôle et la salle d'attente. Et puis aussi, deuxième mission, c'est pour la route. On a 8 km à faire et bientôt on démarre. Au directeur général de l'entreprise Mogabaon, Joseph Akilimali, d'appeler la population de l'Ituri à faire confiance à son entreprise pour l'exécution de ces deux projets. Mogabaon est venu pour développer la province, ce n'est pas pour faire de la blague. Donc, si j'ai fait venir une équipe venant de l'extérieur, c'est parce que je me dis que nous avons besoin d'une expertise étrangère pour qu'on arrive à bien faire ce que le président de la République nous a demandé de faire. Les soucis de Mogabaon, c'est faire vite et faire bien. Pour rappel, les travaux de modernisation de l'aéroport national Morongo de Bounia et l'asphaltage de 8 km additionnels de la voirie urbaine, lancés respectivement le 7 juin et le 5 août 2022, constituent la matérialisation de la promesse faite par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont le leitmotiv demeure la pacification de la province de l'Ituri, gage de son développement.